Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Akiba Strip Undead and Undressed. Lord the Game, et c'est reparti. Alors, la dernière fois, on avait appris qui était le vrai boss des vampires. C'est un grand mec, musclé et tout ça, enfin musclé. Un grand et beau mec, en tout cas. Et on devait aller quelque part avec Toko patrouiller, il me semble. Alors, en off, bah, j'ai joué pour faire quelques side missions. Et j'ai rhabillé Toko avec des meilleurs habits parce qu'elle n'arrêtait pas de se faire défoncer. Et je lui ai mis ça juste pour être sûr qu'elle a un truc sur la tête aussi. Et ça, bah, c'est beaucoup mieux que ça, donc voilà. Et je lui ai laissé un truc de sport que j'avais déjà eu, mais que j'avais eu moi-même en fait. C'est pour ça que j'ai pu l'augmenter et que ce n'est pas son truc à elle. Parce que ses trucs à elle, je ne peux pas les augmenter. Quand j'aurai le Toko Cycling Top en double, je l'augmenterai, mais pour le moment je ne peux pas. Voilà. Et pour moi, bah, j'ai encore augmenté ma puissance, hein, comme vous pouvez le voir. Je fais très mal. Très très mal. Bon, du coup. Eh bah, ben. Partons pour la quête normale là, non? On a trois nouvelles quêtes, mais on s'en fiche, on va faire cette mission là. Dans la Main Street Southwest. Hop, allons-y. S'il vous plaît, venez nous visiter. Tenez. Un prospectus, maître. Tu sais, plus je regarde dans les alentours, plus je réalise à quel point Akiba a changé. Ça a probablement commencé avec le. Je pense qu'elle veut dire qu'il y a eu de plus en plus de maids il y a quelques années de cela. Les filles autour ici sont toutes vraiment super mignonnes. Et elles ont toutes quelque chose à montrer ou dire. Merde, j'ai passé tout. J'ai appuyé sur rond, du coup ça a tout passé, je suis con. Mais pour la meilleure partie, tout le monde est juste merveilleux. Enfin, tout le monde est juste beau. Même les Freedom Fighters sont une agence talentueuse, est une agence talentueuse ces jours. Et nous avons toutes nos mignonnes filles. Je n'essaie pas d'être égoïste ou quelque chose comme ça. Hein. Non, égoïste. Ah, n'essaie pas de sembler d'avoir un égo démesuré ou quoi que ce soit. Je ne parle pas de moi. Je parle de Shizuku et Rin et Kati. Être entouré par des filles comme elle tout le temps est vraiment me fait vraiment penser. Peut-être que si je devrais, j'agirais plus fémininement. Ah, et j'ai reperdu la connexion. Ça commence à faire comme Dragon Quest, c'est pas normal. A tout de suite. Donc elle dit peut-être que je devrais agir plus fémininement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes les filles un peu girly? Allez, reste pas juste ici à me regarder. Dis quelque chose, sois honnête. Excusez-moi, maître et maîtresse. Oh, tu es les 7 maids? Tu as besoin de quelque chose? Ah,
Je suis désolé d'interrompre tout ça, mais ai-je vraiment entendu que vous faites partie des Akiba Freedom Fighters? Eh Sodakedo. bien, oui, nous le sommes. Nande shitteru no? Mais comment sais-tu que nous sommes de là? Shoukinkuri ni natteru Parce qu'il y a un desu prix yo? sur votre tête. Hein? Chotto zenryoku de tatakau tame ni okusuri o tsukatchaimasu ne. Je veux aussi aller prendre ma médecine. Enfin, mon médicament. Donc je peux faire tout ce que je veux dans un combat. Oh. La transformation Super Saiyan et merde. Qu'est-ce que... Je peux sentir le pouvoir à l'intérieur de moi. S'il vous plaît, venez ici. Aide-moi. Oh. Elle a kidnappé Toko. Ah non. Pas que Toko. Elle nous a emmenés là. Laissez-moi partir. Quelle merveilleuse jeune femme. Tu es si assurée. Et tu sembles avoir une force physique énorme. Il semblerait que toi et que vous deux ayez une importante conversation avant que je me montre, maître. Vous serez libre d'y continuer en enfer. Hein, vraiment? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Suis bloqué dans un coin, ça me fait chier. Ah! Non, ça fait comme Dragon Quest, c'est très mauvais. À la re. Mais lâchez-moi! Je peux pas bouger! Bon, d'un côté. Ça peut être pas mal. Hop là! Et c'est parti! Alors, j'essaie de bouger la caméra de façon à tout voir. Le problème. Et toc. Suis monté de level, c'est cool. Alors. Et toi, à moi ça. Je mets toujours sur pause quand ça bug, parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça va déconnecter. Putain, je peux pas vous offrir la qualité, c'est horrible. Ça à cause de ces bugs. C'est vraiment horrible. Voilà.
À moi. Et toc. Et à elle. Et voilà, fini. Y'a rien d'autre, j'ai tout piqué. Ça a l'air. Oh. Était moins une. Sérieusement, je n'avais aucune idée que ça allait terminer comme ça. Et quelle était cette drogue qu'ils utilisaient? Cette maid a dit qu'on avait une prime sur notre tête également. Mais nous devrions être ceux qui essaient de les chasser, et pas le contraire. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal? Tu sens vraiment pâle maintenant. Tu ne marches pas plus loin. Tu marches plus loin. As-tu besoin de... t'aider de mes épaules? Je pense pas qu'il y ait grand chose. J'ai juste la tête qui tourne, c'est rien. Si tu te sens mal, n'essaie pas de le cacher. Juste dis-le moi, ok? Ne fais pas porter le chapeau. Tu sais, c'est drôle. Mais tu es devenu... genre... vraiment une personne dépendante, Franck. Tu as juste grandi, je suppose. Ta maturité a atteint celle d'un homme. Ou d'un garçon plus âgé. Ah, j'ai oublié. Merci de m'avoir sauvé. Je me souviens que... tu te faisais tout le temps battre par des enfants quand tu étais petit. Et j'étais celle qui venait te sauver. Maintenant, ça a été l'inverse. Ah. Petit bug. Maintenant, c'est l'inverse. Je ne suis pas sûr de comment je dois le prendre, elle dit. Je comprends vraiment pas ces bugs. Hein. Je sais pas d'où ça vient du tout. Oh, j'ai un email. Ton téléphone a sonné également. Yuto nous appelle à Mora. Je suppose que nous avons eu le même message. Allons-y. Allons voir ce qui se passe. Alors, j'ai eu 4 emails depuis, moi. Je les avais pas regardés. Ah, c'était un... ça, c'était... les quêtes secondaires. Revenez à la place habituelle, ok. Comme d'hab. Allons-y. Il va falloir s'habituer à ça, je pense. Je vais vous découper les moments où ça coupe l'enregistrement. De toute façon, ça gâche en rien le truc.
Mais c'est embêtant pour moi, quoi. Et puis ça, voilà, ça fait un bug comme ça et ça interrompt le truc. Je vais vraiment vous couper tout ça. Et je sais vraiment pas ce qui se passe, mais vraiment pas. La connexion est parfaite. Pourtant, il faut que ça fasse ça. Une déconnexion, machin. Je suppose que ça vient du logiciel, peut-être. C'est peut-être ça, le logiciel. Désolé de vous avoir rappelé si soudainement, mais j'ai voulu vous faire revenir dès que possible, le plus vite possible. Regardez cette map. C'est une map d'Akiba? Mais quels sont les points que tu as placés dessus? C'est la localisation que nous avons vue avec les incidents des faux vampires. Bon boulot. Voilà pourquoi tu es celui dont on dépend le plus. Ton frère ne ferait jamais ça pour ça. Oh, sérieux? Je pourrais le faire. C'est juste que je ne donne pas le meilleur de moi-même, je suppose. Je pourrais dire. Donc, et qu'est-ce que t'as trouvé? Les incidents forment un parfait cercle autour de la station d'Akiba. Toutes les attaques qui ont été faites sont dans un rayon de 400 mètres du point. Wow. Donc, ce que tu veux dire, c'est... Et qu'est-ce que tu es en train de dire en fait? Je ne suis pas vraiment certain de tout, bien sûr. Mais j'ai distingué un pattern. Mais un pattern distinct comme celui-ci. Pourrait nous dire pourquoi Akiba a été visé. Tu marques un point. Le vieux, je crois qu'il a voulu dire que si les vampires voulaient attaquer de là où il y avait des gens, ils auraient pu s'attaquer à Tokyo ou deux autres grandes villes du Japon. Donc là, il dit exactement. Et si nous pouvons déterminer la raison pour laquelle Akiba a été choisi, nous serons plus facilement. Enfin, nous saurons plus facilement comment stopper tout ça. Bien. Donc, et si tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu ne peux pas trouver dans Akiba que tu trouves. Enfin, qu'est-ce que tu peux trouver à Akiba que tu ne trouves pas ailleurs? Des mails, des fans. Des doujinshi, peut-être? Il y en a beaucoup que tu ne peux pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas trouver autre part qu'ici. Et si nous avons juste ça, nous ne sommes pas plus avancés qu'avant. Hein? J'ai reçu un mail de Miss Kasugai. De quoi ça parle? Voyons voir. Venez m'aider. Dans l'allée. Dans la sombre allée. Dans la Main Street. Quoi? Si Miss Kasugai est en trouble, nous devrions aller l'aider. Attends une seconde. Comment sommes-nous sûrs que ce n'est pas un piège? C'est possible. Mais elle nous demande notre aide. Nous ne pouvons pas juste ignorer. Bien, on peut laisser Franck aller vérifier tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, grande sœur? Tu veux dire lui-même tout seul? Oui.
Comme ça, si c'est un piège, et il pourra régler la chose. Très bien, bah j'y vais. Tu es sûr? Tu vas faire tout ça par toi-même? C'est un esclave. C'est un esclave. Ah, c'est le devoir de l'esclave de faire ça par lui-même, de se faire mal lui-même, quoi, et pas son maître. Ok, donc arrête-toi ici. Je vais avec toi. Comme ça, si tu auras quelqu'un pour veiller sur tes arrières, si quelque chose est pareil. Eh bien, si vous deux êtes ensemble, je peux dire que quelque chose arrivera forcément. Très bien. Quoi? Non, c'était pas ça, Pops. En fait, le plus embêtant avec ça, c'est quand ça arrive pendant les combats. Là, vous pouvez ne pas y voir grand-chose, juste les changements, tout ça, et la musique qui bug. Enfin, la musique qui saute un peu. Mais pendant les combats, je suis obligé de mettre sur pause tout ça, et c'est chiant, tout simplement. Oh, ce n'est pas drôle, allez, allons-y. Pauvre Toko. Ça, je m'en fiche des... Shijuku n'a rien à faire. N'a rien à faire non plus. Il semblait que ce soit Toko qui m'aime le plus. Je comprends pas leur truc, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que j'ai plus de tenue? Et des armes plus puissantes? Les Rumbo. Je pourrais augmenter un peu les trucs de Toko. Ouais, je vais faire ça. Je vais augmenter un peu les trucs de Toko. Alors, Toko... Ah ouais, mais il faut que je la déséquipe de ça, évidemment. Faut que je la déséquipe de tous ces trucs, à mon avis. Ah, elle est chiante. Elle pourrait pas faire comme moi et marquer équipé. Bon bah la flemme. La flemme, la flemme, la flemme. Allons-y. Ah. Et j'ai un mail. Pas de sujet. C'est forcément un piège, mais bon. Allons-y. Par ici, vite. Vous avez bien reçu mon mail. Je suis heureuse que vous venez m'aider. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le problème? Eh bien... On va trouver. Allez ici. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu occupé. Enfin, je suis un peu poursuite. J'espérais que quelqu'un vienne à mon secours. Qu'est-ce que... Hein? Il y a un peu de problème quand... Ah là là, c'est bug. Et j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Je vais faire qu'un seul épisode. Et je vais trouver le problème.
ça pourrait me faire perdre le combat, quoi. Regardez, je peux même pas. Bon, qui c'est qui va m'attaquer? Ça va, ils sont pas tous sur moi, donc j'ai de la chance. Hop. Ça va, ça a l'air d'être des humains normaux. Ils s'enfuient quand on leur enlève leur truc, donc c'est des humains normaux, c'est pas des vampires déjà. A mon avis, c'est juste qu'elle veut pas aller au boulot et qu'elle s'est enfuie. Alors, c'est pour ça qu'elle nous fait les combattre. Pour pas retourner. Allez hop. Normalement, il reste plus qu'un gars avec un pantalon. Ah non. Elle a pas l'air de vouloir me déshabiller. Ah si, j'ai rien dit. Et à force de m'enlever mon casque, il va plus tenir. Hop, normalement c'est fini. Je ramasse un peu tout ce qu'il y a. Je prends un peu partout. Voilà. Je suis contente qu'on ait terminé avec ça. Bon, merci beaucoup. J'étais sur le chemin de Mogra quand j'ai été complètement entouré. Je n'avais nulle part où aller. Et qu'est-ce qui te voulait? Hein? Tu sembles un peu à bout de souffle. Ah, donne-moi juste une seconde. Nous avons été attaqués de nulle part. Juste réponds à ma question, ok? Une chose par une. Bien sûr. Que je le peux. Mais pouvons-nous aller à Mogra? Ah, très bien. Comme tu veux. Alors allons-y. Ok. Eh bien les amis, sur ce, moi je vous dis à tous ciao à plus. Et puis on se retrouve au prochain épisode pour savoir ce qui se passe avec elle. Est-ce qu'elle s'est enfuie du boulot parce qu'elle voulait pas bosser ou est-ce qu'elle s'est fait poursuivre vraiment parce qu'elle connaît un secret? On le saura au prochain épisode. Allez, ça.